The learning event called in French Le Corridor Migratoire Côte d'Ivoire Burkina Faso, namely a general view on a common area in constant change, is an international scientific event whose purpose is to give back the results on migration in general and particularly on the economic and social link that Burkinabe diaspora has with its home country. The learning event has enabled to gather a network of researchers and international students from three countries, namely Burkina Faso, Côte d'Ivoire, and Switzerland. This scientific event, organized in the framework agreement or convention linking the University Félix Houphouët-Boigny to the University of Geneva, is co-financed by North-South Partnership Funds from the Swiss Academy of Natural Sciences and the University Félix Houphouët-Boigny. The keynote lecture has been presented by Benoît Onyikanga, Vice President of SHS Faculty. It was related to migration phenomenon in Côte d'Ivoire and its socio-economic implications. La Côte d'Ivoire étant considérée comme la colonie la plus riche au niveau de la UEF, sa mise en valeur nécessite l'apport d'une main-d'œuvre extérieure importante pour l'agriculture, l'exploitation de bois, la construction de grandes infrastructures, construction de la voie ferrée en Côte d'Ivoire par exemple, qui a fait appel à 2000 travailleurs en 1922, la construction des canaux de Vridi, etc., et 1000 travailleurs dans les régions de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour les entreprises privées installées en Côte d'Ivoire. After giving a history of Burkinabe's migration to Côte d'Ivoire, he has shown the importance of funds transfers from Côte d'Ivoire to Burkina Faso. L'importance de des migrants dans l'économie ivoirienne est indéniable. Les étrangers sont dans tous les secteurs de l'économie de la Côte d'Ivoire, occupent même des niches d'emploi. Et pour parler de la migration burkinabé, elle intervient essentiellement dans le domaine de l'agriculture et dans les infrastructures, dans les grands projets d'infrastructures. Quand on sait que l'agriculture représente le moteur de l'économie en Côte d'Ivoire, on peut dire que la migration, les migrants burkinabés jouent un rôle essentiel dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais dans un autre sens, ils profitent beaucoup de cette migration, du travail qu'ils effectuent ou des activités qu'ils effectuent en Côte d'Ivoire parce que chaque année, ils transfèrent des millions de dollars à leur pays d'origine. Vous voyez? Et 82% de ces transferts effectués par les migrants burkinabés proviennent des migrants burkinabés installés en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est déjà bien parti. Hein? Avec ce que nous avons vu ce matin, cela nous donne le courage donc de suivre les différentes présentations ont été très, très, très enrichissantes. On a beaucoup appris sur les différentes études qui ont été déjà effectuées et sur le plan méthodologique, nous avons beaucoup appris. Étant donné que les discussions vont se poursuivre pour les 4 jours à venir, je pense qu'on va beaucoup apprendre. On aura beaucoup donc de préoccupations qui seront levées à l'occasion donc de ces journées à venir. After the opening ceremony, the work has been held in the seminar room of Ivorian Institute of Economic and Social Research. The first roundtable about money transfers in transnational family dynamics has been hosted by President Benoît Onyikanga, Soulain Morvanro and Dr. Dieudonné Ilboudo. La migration burkinabé qui s'est déroulée depuis aux périodes coloniales où c'était les travaux forcés, des grands travaux en Côte d'Ivoire ici, mais aussi la mise en valeur des plantations de cacao encore aujourd'hui, des plantations de palmiers à huile, mais qui étaient tenues par les colons français. Et les Burkinabés ont été appelés par la force, mais par la suite par le salariat, et aujourd'hui ils viennent volontairement. Et c'est cela que nous avons voulu
comparer. In the afternoon, a methodological workshop on qualitative data collection methods has been hosted by Dr. Alan Toh and Aude Martinot, who have respectively made a presentation on data collection methods through a participatory action research approach method and life course studies methods. L'objectif d'aujourd'hui de cette présentation était de rapidement présenter tout d'abord ce qu'est l'étude du parcours de vie, globalement les théories que ça implique, toutes les idées de temporalité, de déroulement des trajectoires de vie, et puis d'insérer ça dans un contexte, donc comment ça se passe au niveau de la période historique, quelles sont les implications, si un événement socio-historique survient, comment est-ce que ça s'impacte sur les vies. Et puis donc dans un deuxième temps, de présenter plus exactement mes enquêtes, les deux terrains que j'ai faits à Mumbai, le premier en 2012 dans les bidonvilles et le second en dehors dans des habitats plus durables, afin de montrer un peu la méthodologie que j'ai employée pour aller récolter ces près de 1250 questionnaires. Notre présentation ici a été, n'est-ce pas, de mettre en lumière l'utilisation de la méthode active, n'est-ce pas, de recherche participative, pour arriver bien entendu à collecter et analyser les données qualitatives auprès des communautés migrantes en Côte d'Ivoire. The methodological workshop has also been marked by the presentation of research work by Miss Adelaide Gouzoua on analysis of the social links between immigrants and their community of origin. J'ai fait une communication tout à l'heure sur les travaux de mes recherches de Master 2. Et donc, comme résultat, j'ai essayé de montrer les relations que les immigrés miadiens entretiennent avec leur communauté d'origine, qui sont des actions qui mènent dans le sens du développement communautaire et aussi de leur famille, parce que ces liens, les transferts de fonds et matériel et aussi les visites, etc., permet de maintenir les liens qu'ils ont avec leur communauté d'origine. Et donc, ce sont ces résultats-là que je suis venue présenter aujourd'hui. Et par rapport aux autres intervenants, à mes prédécesseurs, il faut dire que c'est une expérience qui est très, très enrichissante dans la mesure où tout ce qui est volé méthodologique en recherche scientifique, aujourd'hui, on nous l'apprend. The second day began with the delivery of IMTFI, namely the Institute for Money, Technology and Financial Inclusion study results on the evolution of mode of transferring money inside the migratory corridor. It was delivered by Dr. Simon Barusso. L'objectif vraiment c'était de comprendre en fait comment la société burkinabé via sa diaspora utilise les nouvelles technologies pour transférer de l'argent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et aussi réciproquement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc c'est au cours d'un atelier méthodologique en fait de faire participer tout un réseau de chercheurs à cette problématique-là. Ce qu'on peut retenir avant tout, c'est que le mobile money a vraiment facilité les transferts d'argent, a simplifié le quotidien des populations en rendant accessibles des services de transfert vraiment efficaces. Maintenant, je pense que ça participe de la consolidation des liens économiques entre les deux pays. The main results of the research are as follows. 80% of transfers were informal before the coming of mobile money. Money transfer is recurring and regular in the diaspora, whatever the characteristic of the households concerned. The households which transfer money the most are those who have most advantageous socio-economic status and a closer link with Burkina Faso. Moreover, a methodology workshop on quantitative data collection methods was presented by Professor Auguste Kwaku, Professor Sulem Morvanuru, and Dr. Sylvain Conan. On a montré que les transferts de fonds viennent des Ivoiriens qui sont immigrés, et les transferts de fonds sont orientés vers les familles pour des besoins fondamentalement de consommation pour la plus grande partie, au moins à 70-80%. Et puis en deuxième position viennent les besoins de santé et d'éducation pour les enfants qui sont restés au pays, soit les enfants des migrants ou bien les enfants de la famille des migrants. The learning event has also been marked by the contribution of stakeholders
of the world of telecommunications for a fresh perspective in the domain of money transfers by the way of their respective hubs. Participants of the learning event have benefited from presentation of the mobile telephone network, MTN. The work of this structure concerning money transfers started in 2009, but international funds transfers started in 2014. The high concentration zone about money transfers is the West. A closer working relation of MTN with Burkinabe's migrants leaning on the shared capital has been undertaken by the company and is still going on. Also, the cooperation with the other money transfer structures internally and internationally is envisaged. En tant que MTN, opérateur qui a un service de transfert vers le Burkina, nous sommes venus présenter notre vision, n'est-ce pas, de ce corridor et comment est-ce que, quelles sont les différentes activités que nous avons, quels sont les chiffres que nous avons et quelles sont nos perspectives de développement sur ce service. Déjà, donc, c'est d'avoir la vision des opérateurs, donc des acteurs professionnels sur ce corridor. Mais nous aussi, nous avons été enrichis de voir l'analyse, n'est-ce pas, effectuée par des chercheurs des différents domaines qu'ils explorent, qui ne sont pas forcément ceux que nous explorons. Donc, nous, ça diversifie un peu notre connaissance du milieu et ça va nous, ce genre de recherche est vraiment précieux pour nous, qui nous aide à définir des stratégies qui peuvent mieux, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir des produits et des services qui correspondent mieux aux attentes des populations burkinabées, n'est-ce pas, qui ont ces problématiques d'envoi d'argent vers le Burkina. In reaction to the communication, Mrs. Yao, promoter of Quick Cash, has first shared the origins of Quick Cash. From personal experiences in traveling to the major of cities and from the cost of sending remittances, Mrs. Yao and her collaborators created in 2010 Quick Cash, a money transfer company which offers a package of financial services and economic opportunities to regular population and to migrants in Africa. The platform helps people excluded from the formal banking system and aims to provide financial inclusion, better the living condition and boost national and regional economies. Du fait que nous avons visé une cible bien particulière qui est une cible à majorité étrangère qui envoie et qu'on n'a pas encore une cible qui est locale qui fait des retraits, ça pose des problèmes. Donc pour moi, un partenariat avec une structure qui, elle, a des problèmes de liquidité dans ses points de vente pourrait résoudre le problème. An overview of mobile financial services showed that more than 6 million francs goes through this platform per semester. A few figures deserve to recall the important role of this platform in the ecosystem of economic activities of Côte d'Ivoire in 2016, namely 25.2 million of mobile accounts. 35% as the rate of financial inclusion. During this day, where figures has been displayed, Mr. Akadori, Director of Demographic Research at Ivory National Statistical Institute, has issued a communication on the characteristic of Burkinabes living in Côte d'Ivoire, whose number is more than 3,500,000 inhabitants. Au nom de l'Institut National de la Statistique, qui est le leader des chiffres en Côte d'Ivoire, je suis venu apporter notre contribution à l'information, étant donné que nous traitons d'un problème sur les migrations, il était bon de connaître la population qui est la plus représentée en Côte d'Ivoire en termes de population étrangère. Et lorsqu'on m'a convié à cette réunion, il fallait venir pour donner ces informations sur les caractéristiques, permettre de mieux connaître la population burkinabé avec qui nous vivons et qui est la population la plus représentée au niveau des étrangers en Côte d'Ivoire. The visit to the Consulate General has enabled the delegation of Burkina Faso to become imbued with the organization of the structure and services provided to migrants living in the jurisdictions of the consulates. It includes communities organization, namely women's organizations, enhancement of their capacities, facilitation of administrative procedure, organization of a return, and the connection of students to schools. After the closing ceremony,
participants are reviewing the experience of their 5 days workshop. Le thème de ce séminaire Learning Event a un aspect qui m'intéresse parce que dans mes recherches, surtout en milieu rural, comme on a dit au séminaire dans les différentes présentations, et lorsque les migrants burkinabés viennent en Côte d'Ivoire, c'est surtout en milieu rural qu'ils s'installent et parce qu'ils exercent beaucoup dans l'activité agricole. Et bien sûr, dans mes recherches et surtout dans mon lieu de recherche, j'ai constaté qu'il y avait aussi beaucoup de migrants et surtout venant de divers horizons comme les Burkinabés et les Maliens que je n'avais pas beaucoup approfondi cet aspect. Mais au sortir de ce séminaire, je me rends compte que je vais beaucoup approfondir cet aspect et enrichir aussi mes études avec. La composante spatiale est très importante en fait pour illustrer un thème de recherche. Ça permet également aux personnes qui lisent des documents ou qui assistent en fait aux présentations de pouvoir avoir un certain nombre de repères par rapport en fait à un phénomène donné. C'est-à-dire qu'elles peuvent se resituer sur un terrain, savoir par exemple une ville qu'elles connaissent ou une route qu'elles connaissent, voir un petit peu le phénomène où ça se trouve, ce qui peut les amener, lorsqu'elles se déplaceront sur le terrain, à peut-être avoir une plus grande attention par rapport à ces phénomènes. J'ai vraiment été particulièrement intéressée par le côté du transfert d'argent, cette utilisation en fait, des téléphones portables vraiment à des fins utilitaires pour les migrants. Et il semble ressortir qu'il y a une croissance, une modification grâce à la technologie des moyens de se tenir au courant et de rester informé avec sa famille. Et aussi tout simplement de transférer de l'argent, quoi, un moyen simplifié d'arriver à maintenir des liens avec sa famille. Je crois qu'on peut retenir à la fois la richesse des échanges, des présentations qui étaient à la fois riches et qui ont donné lieu à beaucoup de discussions. Je crois qu'il y a eu des débats assez vifs sur cette question des migrations. On a abordé la question au travers des transferts et de l'introduction des nouvelles technologies dans ces services de transfert d'argent à haut niveau international entre deux pays au sein d'un corridor migratoire assez spécifique, et je crois que ça a permis en fait de porter un éclairage, de susciter des débats sur un phénomène ancien mais qui est en constante reconfiguration, recomposition et multidimensionnel, c'est-à-dire à la fois des dimensions économiques qu'on a vues, des dimensions sociales et puis également évidemment des dimensions politiques. J'ai vu émerger c'est les interactions entre des étudiants ivoiriens, des étudiants burkinabés qui tissent des liens, qui créent un réseau entre eux, se créent peut-être des liens d'amitié, parce que la recherche c'est aussi des liens d'amitié. Donc l'avenir nous dira ce que ça va donner. Je pense que dans l'ensemble c'est un bilan positif. En tant que jeune chercheur, c'est une aubaine pour nous d'avoir à frotter avec les aînés. Et ce qui est très positif dans ça, c'est que il y a une certaine pluridisciplinarité des choses. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir, je peux dire que le bilan est très positif, on s'est frotté, on a appris, voilà, on a donné, on a appris aussi. Ce que nous voulons faire après ce Learning Event, c'est d'arriver à monter un gros projet qui va permettre de cerner toute la dynamique des transferts via les nouveaux canaux, notamment le canal de Mobile Money, à l'échelle nationale et d'entrevoir les différents liens que cela peut induire sur l'inclusion financière et sur la participation des ménages aux activités financières. Et donc, nous travaillons sur cela, sur l'élaboration d'un gros projet, et cela permettra de favoriser la contribution des différentes universités. Et je rappelle que l'université de Houphouët-Boigny a une convention avec l'université de Genève pour développer la recherche scientifique, pour les échanges d'étudiants et d'enseignants. Et donc, dans ce cadre-là, nous travaillerons. Et également, la Côte d'Ivoire a récemment signé le 5e traité d'accord et d'amitié, le TAC, avec le Burkina Faso, et dans lequel également traité, il y a également une coopération scientifique entre les universités ivoiriennes et les universités burkinabées. Et donc, ces cadres-là formés nous permettent de travailler ensemble et de mobiliser des ressources pour la compréhension des phénomènes économiques sociaux et leur impact sur le développement et le bien-être des ménages de ces différents pays.